Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire la découverte de The Backroom Survival. Hein, je vous avais déjà fait un jeu similaire qui était sympa, on va dire. Et celui-ci, il est pas mal parce que la petite différence par rapport aux autres, hein, parce qu'il y en a eu un autre aussi qui est sorti, mais je ne vous l'ai pas fait, c'est que là, vous pouvez jouer en ligne. Voilà. Bon, là, évidemment, je vais vous présenter le mode solo, hein, comme d'habitude. Mais le multijoueur. Alors, ça arrive, c'est rare, enfin c'est rare façon de parler. Dites-vous que c'est bien pour jouer avec des amis qui ne sont pas dans la même pièce évidemment, mais de tomber sur une partie, on va dire que c'est quand même rare. Il y en a qui se connectent, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est ça le problème. Voilà. Alors par contre, j'ai regardé sur la page Steam du jeu, d'accord, et logiquement, il y a du cross-platform entre les joueurs Switch et les joueurs Steam. Voilà, au cas où. Hein, s'il y en a un qui a son ordinateur, qui a le jeu, et puis que là, donc sur Switch, il est sorti. Alors, il est sorti, il n'est pas sorti là, il est sorti il y a, je pense, une semaine déjà, ou de ce jeu, un truc comme ça. Voilà, bon. Hein, s'il a une Switch et puis l'autre, il a le PC, eh ben vous pouvez jouer. Alors, j'ai pas testé, hein. Ça, c'est sur la page Steam. Hein. S'il y en a qui veulent aller voir, au pire, je vous mettrai la source, de l'info dans la description, je vous le mettrai. Vous verrez bien par vous-même. Attends, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Ah, puisque je commence à faire des petits jeux sur PC, bah, comme ça, je vous donnerai des infos en même temps. Donc, je vous mettrai le lien de la version Steam et le lien de la version Switch. Voilà, comme ça, vous avez les deux. Voilà, c'est marqué dans les mises à jour, en fait, c'est pour ça. Donc, c'est bien précisé qu'il y a une mise à jour pour que le multi se joue avec un joueur Switch, un joueur PC. Voilà. Enfin, bref. Bon, allez. Alors, attends, parce que j'ai préparé ma petite feuille, parce que le problème, c'est que le jeu est en anglais. Et donc, il faut traduire. Alors, ça, je l'ai gardé. Bon, j'en avais fait d'autres, mais j'ai supprimé. Là, je l'ai gardé parce qu'il faut que je vous montre un truc. C'est trop bizarre. Mais je vous montrerai après. Donc là, on va faire... Alors, voilà. Là, vous avez 4 modes de jeu. Alors, moi, je les ai traduits au plus simple pour vous le dire tout de suite. Ou alors, vous allez vous-même les... Oups, j'ai abusé. Non, ça va. Enfin, bref. Vous-même les traduire. Hein. Mais bon, là, au pire, je vais le faire directement. Alors, approximative, hein, parce que si ça se trouve, j'ai mal traduit, hein, c'est aussi ça. Bref, vous avez le mode classique mort permanente. Dans celui-ci, attends, je marque. Dans celui-ci, les sauvegardes automatiques, etc., vont être supprimées une fois que vous serez mort. Mais, il y a un petit mais quand même, si vous jouez à plusieurs, vous avez 86 secondes avant de capser pour de bon. C'est-à-dire que votre pote attend de vous relever avant de mourir, quoi, hein. Tant qu'il y a un autre joueur, vous pouvez revenir. Si vous êtes tout seul, bon, c'est cuit, laissez tomber. Voilà. Donc, vous perdez tout, vous perdez la sauvegarde, vous perdez tout. Le mode aventure, c'est celui qu'on va tester, tiens. Alors, lui, en gros, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une fois que vous êtes mort, hein, parce que là, l'aventure, c'est, bon, il y a des entités, il y a les monstres, il y a tout ça. Mais là, une fois que vous mourrez, hein, vous réapparaîtrez, donc, à des étages inférieurs. Enfin, ils disent à quelques étages inférieurs. Donc, par exemple, imaginez-vous, je sais pas, vous êtes au level 10, voilà. Bah, vous pouvez redescendre en réapparaissant au level 6. Allez, hop. Voilà, donc il faudra vous remonter les levels pour atteindre là où vous êtes mort. Et évidemment, vous perdez aussi aléatoirement des objets et des pièces de monnaie et tout ça. Hein, parce que vous avez des bas de coin dans le jeu. Là, c'est marqué bas de coin. Donc, les petites pièces de monnaie. Ensuite, on a le sandbox, là l'aventure, là le sandbox. Alors, sandbox, j'ai eu un peu de mal à le traduire, parce qu'il y a un mot, ouais, bon, bref. Bon, je l'ai lancé pour voir. En fait, dans celui-ci, c'est identique au mode aventure. La seule différence, c'est que vous pouvez accéder, à la console, enfin, aux commandes de console, pour générer vous-même des entités, les objets, mais vous n'avez pas de classement et pas de mort permanente. Alors par contre, quand j'ai été dessus, c'était marqué qu'il fallait se référencer à Wiki, hein, pour les commandes à taper, en fait, tout ça. Donc bon, ça moi, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas m'en occuper. Bref, ensuite on a Explore, donc Exploration. Et là, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de mort, non, mort permanente. Hein, vous pouvez... Non, on ne peut pas mourir de toute façon. Ouais, bon bref, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de monstre. Et il n'y a pas de classement. Voilà.
En gros, là, c'est une balade de santé. Vous explorez, vous essayez de trouver la sortie. En gros, c'est ça. Hein. Vous explorez le jeu sans aucune limite. Les quatre peuvent se jouer à plusieurs. Et vous pouvez jouer tout seul à 10 joueurs ou joueuses. Voilà. Donc là, nous, on va faire un mode aventure. Alors, bon, là, je l'ai traduit vite fait, je ne vais pas vous le redire, mais c'est un peu tout ce qui est classique. En gros, hein, c'est de faire attention au bruit, c'est de regarder le sol pour voir s'il n'y a pas des objets à récupérer. Faut conserver donc son endurance, il faut faire attention que quand vous courez, vous faites plus de bruit que si vous étiez accroupi, enfin bref, etc. Hein, voilà. C'est le truc basique, même si jamais je fais le Don't Show Again, hein, de ne pas répéter là ou je sais pas quoi là. Il revient à chaque fois, hein, donc laissez tomber. Pas la peine de le cocher. Alors, là, on va créer notre personnage. Alors, on va faire un nom. Non. Voilà. Alors, je vais mettre le mien. Non. Trop vite. Hop, voilà. Par contre, remontez pas en haut avec la flèche, parce que sinon, vous allez devoir retaper votre nom. Là, c'est pour la voix. Ouais. Bon, tiens, ça, parce que comme je vais choisir. Alors là, vous avez bon, plusieurs personnages, évidemment. Hein, homme, femme à chaque fois. Voilà, la fameuse combinaison jaune de base, hein, des backrooms. Moi, je vais prendre celui-là. Mais là, je vous montre un peu. Là, il y a une sorte de monstre, je ne sais pas trop jouer ce que c'est. Bon, bref. Enfin, voilà. Bon, on va reprendre la citrouille. Ah, après, je pourrais prendre. Ouais, bon, bref. Alors, vous avez 20 métiers. Selon le métier que vous choisissez, ça vous donnera un atout pour le jeu. Là, par exemple, l'athlète vous permet donc de courir beaucoup plus vite. Bon, là, au pire, c'est pas grave. Donc, vous avez le chef. Là, celui-là, ça vous permet de commencer avec de la nourriture. Nourriture puis du lait hein, pour la boisson. Parce que dans ce jeu, il faudra que vous fassiez attention à la bouffe et à l'eau. Et évidemment, il y a la santé mentale qui va avec. Hein, et voilà. Donc, bon, là, je ne vais pas tous vous montrer. Hein, vous verrez si jamais le jeu vous intéresse ou pas. Moi, je prends. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Voilà, moi, je prends le cannibale. Parce que en étant le cannibale, je peux manger donc, des corps, évidemment, des cadavres hein, qui se baladent un peu partout. Et ça me permet de récupérer donc, de la santé mentale. Parce que la santé mentale, elle est un peu donc compliquée à trouver. Parce qu'il faut que vous trouviez du lait d'amande ou. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il peut faire remonter. Il a de l'alcool aussi. Vous avez de l'alcool qui peut faire remonter. Non, je regardais parce que j'étais pas sûr de s'enregistrer. Qui peut faire remonter aussi votre mental. Ça remonte aussi un peu la santé, etc. Mais au moins comme ça, je suis sûr. Dès que je trouve un corps, je le bouffe. J'ai la santé mentale qui remonte. Bref, donc après vous choisissez l'âge. Bon là, moi je mets le mien et hop, comme ça c'est fait. Et on envoie. Donc. Non, mais non, j'ai le casque sur les oreilles, je sais pas si tu veux. Alors. Bon, alors là, évidemment, comme j'ai choisi le mode aventure, ça vous fait une sorte de petite histoire. Donc là, voilà. Bon, c'est pas trop où elle est, etc. Bon, bref. Voilà, bon. Enfin, bref, moi, je passe, on s'en fout. Hein, c'est juste vraiment pour mettre quelque chose dedans. Alors, il y a aussi autre chose que vous. Il y a un petit truc que moi, j'ai enlevé, hein, qui a pas. Ce sont les effets. D'accord? Donc, vous allez dans Options, vous allez dans. Attends, je gère ça. C'est quoi, Général? Non, c'est dans le graphique. Alors par contre, la sensibilité dans le menu, c'est chiant, c'est très 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 sensible. Voilà, donc là vous avez. Ah, vous avez donc l'effet VHS, donc, par exemple je vais le mettre, tiens, pour que vous voyez. Par exemple là je le mets, hop, genre, je fais appli. Voilà, là vous avez un effet VHS. Hein, voilà, c'est. Bon, moi j'aime pas trop. Hein. Et puis moi c'est pour éviter que. On va dire que tout bug aussi, surtout. Voilà. Hein, parce que dès que je joue un petit jeu pixelisé ou ce genre de truc, j'ai l'impression que même ma caméra elle est pixelisée. Je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, bref, vous avez tout un tas d'effets si vous avez envie de vous faire un kiff. Donc, moi là je vais enlever, je vais laisser soft. Hein. Voilà, tout simple. Par contre, je ne sais pas. Je sais pas du tout si. Non, pas de toute façon, j'ai pas. Ou alors c'est le fauve. Je sais pas si c'est ça pour comment dire ça soit moins plus éclairé ou moins éclairé là. La musique, voilà, c'est ça que je cherchais. Je sais pas. Bon bref, c'est pas grave, je vais pas essayer. De toute façon, je vais laisser comme ça va le faire.
Donc là, bon, le but, comme tout jeu Backroom, trouver une sortie. Alors, vous pouvez soit trouver une trappe et descendre, mais plus vous descendez, plus ça va être dur. Ou alors une échelle qui va vous permettre de monter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, alors, ça, je... Ah, j'ai des cartouches. Ça, je vais le prendre. Et ça, on va prendre. Alors, dans... Non. Dans le jeu, dans votre inventaire, donc ça, hop, on va l'utiliser, ça va me donner donc une armure. Mais vous pouvez aussi donc démanteler le machin, c'est ce qu'on va faire. Et vous avez du craft. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas, on va dire, les plans, voilà, tant que vous n'avez pas les plans, ça ne sert à rien de. Bon, vous pouvez quand même accumuler du matériel, mais là, moi, par exemple, je peux rien crafter parce que j'ai pas les plans. Attends. Hop, voilà. Ah oui, et puis évidemment, tout en haut, vous avez votre nom, votre profession, l'âge et le nombre de jours que vous allez passer donc dans les backrooms. Alors, contrairement aux autres jeux Backroom, dans celui-ci, vous pouvez casser la tronche aux monstres. Hein, parce que vous trouvez des armes, vous trouvez tout. Et en règle générale, il n'y a pas qu'un seul monstre dans ces couloirs. Hein, il y en a plusieurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une sortie, déjà. Donc soit une échelle, soit. Donc soit une échelle, soit. Une trappe, voilà. Ah bah là j'ai une arme par exemple. Le problème c'est que donc là j'ai une arme mais j'ai pas de munitions. Donc pour l'instant ça me sert à rien. Ah bah attends si. Non c'est pas ces munitions là. Attends c'est quoi comme munitions qu'il faut? Non je me suis trompé. Il faut des lead balls. Faut des lead balls. Attendez je vais peut-être remonter le son. Je sais pas si ça va s'entendre. Attends, le son, c'est ça. Ça, c'est les jumpscares. Jumpscares, c'est ça. Ambiance, voilà, ambiance. Je vais le mettre à fond. Le reste encore. Bon, de toute façon, il n'y a pas de musique. Hein. Alors, je sais pas si au premier niveau, il y a des monstres. Je me rappelle plus. Pourtant, j'y joue justement avec un ami en ligne. Donc, je peux vous dire que ça marche bien en ligne. Par contre, en ligne, vos sauvegardes, enfin, vous pouvez pas sauvegarder quand vous jouez à plusieurs. Ça marche que en solo. Hop. Alors, il y a des fois où vous allez passer beaucoup de temps dans une pièce, parce que vous allez tellement refaire, vous allez certainement repasser au même endroit, et donc. Attends, pourquoi j'ai ça? Moi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et des fois, vous passez à côté de l'échelle ou de la trappe. Alors, il y a aussi une chose, je ne sais pas vraiment s'il y a une sortie dans ce jeu. Parce que je suis arrivé à descendre jusqu'au niveau moins 30. Et j'ai toujours pas trouvé de sortie. Donc, je ne sais pas si les sorties sont infinies ou pas. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah, c'est une pièce. Voilà. Bon là par contre il faut pas qu'il y ait un monstre hein, parce que je peux pas me défendre. Alors là vous avez des petits coffres, il faut. Donc là évidemment j'ai pas la clé. Mais il faudra des petites clés en argent pour pouvoir les ouvrir. Et les clés en argent vous servent aussi à ouvrir des portes cadenassées. Ah, comme pièce. Donc là je vais quand même essayer. Ouais. Essayer de trouver quand même au moins une échelle. Enfin, je préférais trouver l'échelle en fait. Ça c'est pour une lampe à huile, mon. Pas trouvé. Ah, allez. Oui, caméra. Allez. Oh, putain. Attends, une porte là encore. Ah, ça, tiens. Ça. Oui, on s'en fout. Ah zut. Bon ça, quand votre eau arrive à un certain seuil, vous pouvez le boire. Mais là par exemple, je peux pas. C'est pas assez. Le seuil de l'eau, il est pas assez descendu pour que je puisse boire. Alors, de temps en temps, vous avez donc ces machines pour pouvoir acheter donc justement
à boire, de la nourriture, des pilules qui vont vous donner des effets aléatoires ou pour remonter la santé mentale. Je peux vendre, on peut vendre. Donc là, moi j'ai 6 pièces, au pire, je peux acheter une bouteille d'eau. Tiens, c'est ce qu'on va faire. Hop, voilà. Donc là maintenant, il me reste plus qu'une petite pièce. Mais j'ai une bouteille d'eau. Bon, je ne sais pas. Attends, il y avait un truc avec la télé? Des écouteurs, un téléphone. Ah voilà, mon dé, il a sonné. Attends. Alors je ne sais pas si ça attire les monstres ou pas quand ça se met à brailler. Bon évidemment, il n'y a personne au bout du fil. Voilà. La télé, il faut une télécommande, mais je ne l'ai jamais trouvée. Ou je ne sais pas trop ce qu'il faudrait pour... Il y a un long couloir noir, là il y a quoi? Bon là évidemment moi, je préférais vous montrer un niveau où au moins il y a des monstres, mais là il n'y a pas un chat. Je pense que c'est un... Alors, quand c'est ma... Attendez, je vais y arriver. Il y a des niveaux où... Ah, c'est un canard. Ah bah tiens, un canard, un petit canard jaune. Il y a des niveaux où c'est marqué tout en haut, level safe. Donc là vous êtes sûr, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de monstres. Mais là c'est pas marqué, donc... Mais je pense que le niveau 0... Ah! Bon, alors il y a une trappe. Bon, ça me plaît moins. Attendez, je vais aller voir au bout s'il n'y a pas une échelle au pire. Mais sinon, je vais la prendre tant pis, parce que sinon, on verra jamais... Non, parce qu'il faut pas que je me paume non plus. Attends. Là, je sais que là, il n'y a pas plusieurs passages. Bon, là, on regarde. Hop. Et là, il n'y a rien. Et puis là-bas... Ah! Oh, il y a une trousse de soins. Je vais la prendre. Et puis là, il y a... Ah, attends, c'est par là que je viens. Je vais juste... Parce que là, banana, ça m'intéresse. Bon, allez, on va prendre la trappe parce que sinon, on va jamais voir de monstre. Attends, là-bas. Merde, attends, je sais plus. Ah non, je sais plus. Ah non, quel con. Ah oui, quel con. Putain, mais merci, c'était par là pourtant. Elle était pas là? Attends, il y a le long couloir, c'est pas normal. Non, c'est moi. Faut que je regarde dans le montage. Ah! Putain de sa mère, enfoiré! Oh, je peux plus courir! Oh! J'ai rien pour me défendre! Bon, je sais plus où aller la trappe, hein, tant pis. Ah purée, bon bah si, il y a des monstres ici. Merde, ma trappe, elle est où? Mais non, elle était bien là-bas. Pourquoi il n'y a plus ma trappe? Bon, j'en ai dit, il y a bien des... Il y a bien des monstres au premier niveau. Enfin, au niveau 0. Mais attends, mais ma trappe, elle était bien là-bas. Comment ça se fait? Elle change aussi de place? Ah, c'est du bandage, ça? Oui. Bon là c'est plus mon armure qui a pris. Ah bah moi qui voulais vous montrer des monstres, bah voilà. Bah, je prends le bandage. Hein. Et ça... Attends. Ouais, ça faut pas prendre parce que ça vous fait des effets aléatoires. Putain. Anti-venin, je prends. C'est jamais. Ah bah attends. La citrouille, je vais la prendre aussi. Là je vais boire. Tiens le coca. Hop, voilà. Bon, bah tout comme fait, je vais essayer de trouver l'échelle. Hein. Et pas retourner là-bas. Bon, le monstre, il se déplace. Hein. Ah bah non, je viens de boire un coup, donc trop tard. Mais j'aimerais bien... Au pire, si jamais, là, je galère un peu, il y aura une coupure. Hein, voilà, comme ça, je vous montrerai un autre niveau. Je reprendrai là où je trouverai l'échelle. Bon, alors, ça y est. Comme je vous avais dit, ça allait couper parce que j'ai tourné, retourné et mon échelle, elle est là. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je n'avais pas regardé. Oui, bon, voilà, next floor. Donc là, on va y aller. Bon, j'ai pas trouvé d'armes ou quoi que ce soit. J'ai trouvé des clous. Ah ouais! Ah bah celui-là, j'ai déjà fait. Et je l'aime pas du tout. Donc là, je suis au level 1, comme vous pouvez le voir tout en bas, à droite.
L1, voilà, level 1. Et ma santé mentale, évidemment, c'est le petit masque. Hein. Je suis à 87% de la santé mentale. Et j'ai toujours pas trouvé de cadavre. Tiens. Alors, ça, c'est pour améliorer vos armes. Donc, on va le prendre pour l'instant. Déjà, je sais même pas combien j'ai de... Ouais. La faim, je vais peut-être bouffer un truc, quand même. Voilà. Ça, faut pas aller dedans. Ça vous empoisonne. Alors, la seule solution, c'est... Ouais, on va... Attends, sauter, voilà. Hop, voilà. Et ça, bah, ça vous fait rien. Hein. C'est tombé. Bon, c'est bien. Je vous ai déjà montré un monstre. Là, logiquement, on devrait en voir d'autres. Et le but est toujours pareil. Alors, si vous trouvez une... Là, par contre, si je trouve une trappe, je vais redescendre au niveau en dessous. D'accord? Là, le but, c'est toujours de trouver des échelles. Ou alors, au niveau 0, vous trouvez que des trappes. C'est comme vous voulez. Soit vous descendez le plus bas possible, soit vous montez le plus haut possible. Alors, il précise bien qu'il faut monter. Mais quand on lit... Là, j'ai eu un bug, là. Je sais, de base, j'ai déjà des bugs avec mon truc de... Non, mon ordinateur, c'est même plus le logiciel de capture, c'est l'ordinateur, maintenant. Je sais que c'est l'ordinateur qui bug comme ça. Hein, parce que je fais avec deux logiciels différents, et il me fait la même chose. Hein. Vous avez une sorte de temps de pause. Et il le fait avec les deux logiciels qui ne sont pas faits de la même entreprise. Donc, c'est que c'est l'ordinateur qui merdouille. Hein. Bon, enfin, bref. Donc là, par contre, c'est un bug, vraiment. Hein. J'ai eu vraiment un bug, là, dans le jeu. Enfin, bref. Voilà. Je sais plus ce que je disais avant que je parle du bug. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au fait, si, attends. J'ai une arme. Au pire, on va faire ça. Si je l'utilise, voilà, je l'ai utilisé. Voilà, bon, c'est... Ouais, c'est... Restore, rentabilité, je sais pas quoi, là. Donc, normalement... Ah, si je passe là, voilà. Là, par exemple, c'est marqué tout en bas. Alors, bon, moi, je le fais sur mon écran. Forcément, vous voyez pas, mais... Si, vous voyez... Là où c'est marqué Eevee Fear Musqué. Hein, vous avez tous les dommages, la chance, etc. Les critiques. Et tout en bas, il y a marqué Enchanté. Voilà, on va dire ça. Et c'est marqué Feu. Donc c'est ça que je viens d'ajouter à cette arme. Bon, le problème c'est que pour l'instant, bah, j'ai pas de munitions. Alors les monstres, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez des monstres bizarres, on va dire. Vous avez des mecs qui ont le mec avec sa tronçonneuse. Et... Ah putain. Bon, ça c'est à cause de la santé mentale. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez des petites filles. Vous avez des infirmières. Vous avez des nonnes. Hein, des bonnes sœurs avec un couteau et tout. Vous avez... Oh, vous avez un peu de tout, hein. Il y avait des monstres qui rampent. De tout. Ah, vous avez même des statues à la manière des anges pleureurs dans Doctor Who. Quand vous les regardez, ils avancent pas. Mais dès que vous tournez le dos, elles vous fondent sur la gueule. Par contre, tout à l'heure, j'en étais sûr que la trappe, elle était là, hein. Ouais, je sais pas où elle est partie. Ou alors, est-ce que ça change, ça aussi? Parce que pour l'instant, j'ai pas été encore... J'ai réussi à aller juste au niveau moins 30. Oh, attends, il y a une banane. Je vais la prendre. Hop. Non, le téléphone, on s'en fout. Alors là, il y a encore un fusil. Ouais, non, mais je veux pas le prendre. Alors, oui, il y a un truc aussi que vous pouvez faire, c'est ça. Hein, vous pouvez... Alors quand vous faites ça, voyez, le monstre ne vous voit pas. Hein. Vous pouvez le regarder de temps en tranquillement. Par contre, dès qu'il vous voit en entier, voilà, il vous court après. Par contre, ils ont une certaine distance. Hein. Si là, par exemple, il était en face de moi... Oh, bah tiens. Enfin bref, si là, il était en face de moi, il me voit, mais à une certaine distance, c'est là qu'il va se mettre à courir vers vous. Il va pas le faire tout de suite. Bon, ça, c'est une peluche, on s'en fout. Attends, non, je vais aller par là. Ah, c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer d'autres monstres, mais... Ah, bah non, voilà, bah là j'ai la trappe. Mais là, mon but à moi, c'est pas de redescendre dans le niveau inférieur. Sauf, évidemment, vous avez un monstre qui vous court après, vous hésitez pas, et puis vous attendez un peu pour vous y retourner. Donc c'est par là que je suis arrivé. Donc là, bon, là, on va aller essayer d'aller plus au milieu. Oh, merde! Donc là, vous avez un petit logo tout en... Bon, voilà, je reçois un dégât de dommage. Et tout en bas, vous avez
un petit logo vert avec une tête de mort. Et là, je suis empoisonné. Alors, par contre, normalement, j'ai un antivenin. Voilà, si je fais ça, hop, tout de suite. Voilà, je l'ai plus. Bon, j'aurais préféré. Ah, une grosse clé. Alors, ça, c'est pour les. Non, ça, c'est pour les coffres. Mais là, on n'est pas tombé sur un gros coffre encore. Déjà, j'essaie de trouver l'échelle. Alors, par contre, je suis déçu parce que oui, là, forcément, là, au moment où je fais la vidéo, on a vu un monstre. Oui, bon, attends, je vais répondre. Voilà, on a vu qu'un seul monstre. Et d'habitude. Ah, bah, bon, lui, il m'a vu. Voilà, en fait, il faut que je le dise pour qu'il arrive. Voilà, il faut que je le dise pour qu'il arrive. C'est bien, c'est impeccable, c'est ça qu'il faut. J'ai cru en avoir vu un autre. Oui, oui, il est là. Regardez. On va faire ça plutôt. Voilà. Là, par exemple, bon, bah, il me voit pas parce que je suis derrière lui. Par contre, il faut pas que vous arriviez en courant parce que sinon il va se retourner tout de suite. Je sais pas où il est, je sais pas où il est, tant pis. Ah! Alors, des fois, en courant comme ça, c'est là que vous trouvez ce que vous cherchez. Hein. L'échelle, pardon. C'est bien, là, l'échelle. Donc là, il y a deux monstres, déjà sûr. Oh, le téléphone. Ah, il va se mettre à sonner. Voilà. Hop. Je sais pas si ça a une importance de faire... Ça permet juste qu'il arrête de sonner, mais est-ce que ça tire les monstres, ce truc? Bon, bah au moins, vous voyez. Bon, là, par contre, j'arrive pas à trouver mon autre échelle. Hein. Alors, c'est évidemment, c'est plus facile quand vous êtes à deux. Le seul petit hic, c'est quand vous jouez à deux ou à plusieurs, je parle. Hein. Le seul petit truc qui est chiant, c'est que vous pouvez pas appeler l'autre joueur. Hein. Et le joueur, il sait pas où vous vous trouvez sur la carte. Donc, par exemple, quand il y en a un qui a trouvé l'échelle, eh ben ouais, c'est bien. Mais il faut vous arriver à trouver l'autre joueur. Alors, vous entendez les pas, vous entendez tout ça, mais sinon, c'est pas facile de vous retrouver. Par contre, pour défoncer la... Non, je vais passer par là. Pour défoncer les monstres à plusieurs, ça, c'est génial. Bon, là, par contre... Bon, tant pis, hein, je vais pas vous montrer les armes à feu et tout, parce que j'en ai pas... Enfin, j'en ai une, mais j'ai pas de balles. Plus de ça, tout ça. Au pire, là... De toute façon, parce qu'il faut que je vous montre un autre niveau. Au pire, je vais... Non, il y a rien, là. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on se fait zigouiller. Comme ça, vous allez voir. Là, je vais le faire. Là, en gros, je vous ai montré des monstres. Vous voyez un peu le principe. Hein. De toute façon, c'est le principe de tous les backrooms. C'est comme ça. Là, je vais chercher un monstre. Je ne vais pas en trouver un. Ah, pièce. Bon, ça sert à rien. Parce que de toute façon, je vais me faire défoncer la mouille. Des fois, il faut faire déjà parce que vous passez à côté de l'échelle. Ah, bah, il y a un monstre là. Tiens. Allez, Marcel. Allez, viens. Voilà, il faut qu'il enlève mon armure. Voilà, bon là c'est bon, c'est la vie. Hop, il m'empoisonne, hein, c'est pas lui. Ah bah tiens, le deuxième il arrive. Ah, je viens de mourir. Voilà, je suis mort, terminé. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai perdu tous mes objets. Alors, quand vous jouez à plusieurs, quand vous jouez à plusieurs, vous avez 90 secondes avant qu'un joueur vienne vous réveiller. D'accord ? Et donc vous avez marqué 90 secondes, etc. Donc c'est 1 minute 30, je crois. Et en dessous, vous avez marqué Give Up. N'appuyez pas sur Give Up. Ça vous ramène au menu du jeu et c'est fini. Mais là, vous perdez tout. Hein. Vous avez vraiment calé. C'est comme une mort permanente, en gros. Sauf que vous avez toujours la sauvegarde. Ah bah non, en multijoueur, il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde. Par contre, là, si je fais Respawn, alors je vais le faire. Hein. Hop, pour vous montrer. Là, je ne vais pas réapparaître au même endroit. Normalement, je vais revenir au 0 parce que je n'ai pas été très loin. Voilà, je reviens au 0. Mais si vous êtes au level 10, par exemple, eh ben vous allez arriver peut-être au niveau 4, au niveau 6 ou 9. Ça dépend, c'est aléatoire. Et vous ne revenez pas, évidemment, avec la vie à fond. Hein, vous avez 33 points de vie. Bon, c'est dommage parce que je ne suis pas tombé sur un cadavre. J'aurais bien voulu montrer ce qui se passait quand je mangeais. Enfin, quand je mangeais. Oui, bah oui, je le bouffe, en fait, hein, le cadavre. Tiens, il y a une boîte de conserve. Ah bah tiens, la boîte de conserve, ça vous permet la faim et la santé. Attends, avant que je l'utilise. Là, je suis à 33.
Là, je vais utiliser. Hop. Voilà, j'utilise. Et maintenant, je suis à 48. Attends, je regarde juste si il y a un cadavre qui traite. Ah, j'ai encore eu un bug. C'est le truc de chargement, ça. Ça charge et donc ça rame. C'est rare. Là, vous voyez deux fois sur la partie de. Oh oui. 30, 34 minutes. Bon, moi, il va y avoir des coupures hein, quand je vous allez faire le truc. Je sais pas, je peux la boire là? Non, toujours pas. Non, toujours pas, toujours pas. Faut vraiment que vous soyez, je crois, à moitié pour que ça marche. Non, bon. Oh, c'est pas grave, au pire. Ah, bah tiens! Ah non, je sais pas que c'était une trappe. Non. Ah, je suis coincé. Non, non, bon. Bon, sans pis, c'est pas grave. Tiens, attends, je vais voir si ma trappe, elle était. Ouais, elle est là. Ah ouais, bah non, elle était toujours là, mais c'est moi qui me suis louré. Bon, bah attends, c'est pas grave, je vais vous montrer. Voilà, bon, elle l'a dit, hein, c'est dangereux de descendre. Plus je descends, plus ça sera dangereux. Ah, pour arriver au level 30, je ne veux pas vous mentir. Hein, j'ai fait tout courir. Ou alors, si vous avez un flingue, c'est génial. Bah, est-ce que je peux vous montrer un nouveau niveau? Ouais, impeccable, voilà. Voilà, comme je suis descendu, il y a l'échelle. Et là, voilà, un nouveau niveau. Alors, des fois, vous avez. Ça dépend, en fait, vous avez. Comme si vous étiez à une fête d'anniversaire, hôpitaux, un dédale végétal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'il y a comme niveau? Oh, il y a un peu de tout en fait. Des fois, vous revenez sur les mêmes. Les monts sont presque un peu différents à chaque pièce. Ah, bah tiens, cette porte, on va en parler. Mais après, justement, c'est le truc que je vais devoir vous montrer. Donc je regarde comme ça au vif fait. Non. D'ailleurs, la porte, elle donne là. Donc, si vous avez une clé. Bon, j'en avais une, hein, mais. Voilà. Il y a des fois, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de l'autre côté. Donc là, ça sert à rien de l'ouvrir. Bon, enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Allez, là, je vais revenir. Il y a encore eu un petit chargement, là. Attends, je regarde un peu. Je veux voir s'il n'y a pas un monstre. J'ai l'impression que les monstres, ils apparaissent au bout d'un certain temps que tu restes. Dans le. C'est quoi ça? Ah bah c'est un flingue. C'est quoi ça? Non. Voilà. Attends, c'est où j'ai vu l'œil? Ah! Ah! Pourquoi je suis. Ah! Ah bah voilà, tiens! Justement, je vous en parlais. Voilà. Donc, hein, comme les anges pleureurs dans Doctor Who, là, je le regarde. Bon, il a pas bougé longtemps, attends. 1, 2, 3, 4, hop! Voilà! En gros, c'est ça. Et normalement, si. Attends, si je me cache derrière le mur. Ah non, tiens! En multi, ça fait ça. Non, il vient pas. Alors, par exemple, hop! Alors, par contre, pour que il arrête de vous suivre. Alors, attends, on va regarder s'il me suit. Voilà, il me suit. Pour qu'il arrête de vous suivre, il n'y a pas le choix. Il faut courir comme un gros dératé à l'autre bout de la map. Hein, le plus loin possible. Putain! Putain, il y en a un! Oh, attends, quel gueule il a? Voilà, c'est une sorte de rat, un rampant. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Oh, merde, je suis bloqué! Voilà, dès que vous l'entendez plus, il vous suit plus. Et puis, j'ai perdu ma gargouille, en plus. Comme ça, c'est bien. En gros, voilà. Bon, là, on va se barrer. Je vais vous montrer autre chose. C'est bien, j'ai pu vous montrer à peu près tout ce que je voulais vous montrer. La seule chose que je peux pas montrer, c'est le multijoueur. Si je fais le multijoueur, je fais mode aventure, close. Bon, là, on s'en fout. Voilà, ça se met au serveur. Et là, dans le lobby, vous voyez tous les parties des joueurs qui sont justement en train de jouer. À leur jeu. Enfin, ouais, j'ai un peu de mal à m'exprimer, je cherchais les mots. Donc en bas, vous pouvez choisir PVP, show in lobby, je sais pas quoi. Je sais plus ce que ça veut dire. Bon, bref, peu importe. Match player, vous pouvez choisir le nombre de joueurs qui peuvent vous joindre, c'est jusqu'à 10. Et ensuite, vous avez tout qui apparaît donc, dans le carré noir, vous voyez complètement à droite. Là, il n'y a personne. Donc, dans ce mode-là, il n'y a personne. Alors je ne sais pas si en choisissant d'autres modes ou quoi que ce soit, ça s'affiche ou quoi, j'en sais rien du tout. Ou si tout s'affiche, je ne sais pas.
Donc, mais c'est-à-dire qu'en gros, vous sélectionnez dans la liste la personne que vous voulez rejoindre et hop, vous rejoignez. Hein, il n'y a pas de code, il n'y a pas de tout ça en fin de compte. Hein, c'est, voilà, vous ouvrez une fenêtre pour tout le monde et il y en a qui vous rejoignent. Ça arrive qu'il y en a qui vous rejoignent, hein, ça arrive vraiment. Mais il n'y en a pas beaucoup qui doivent jouer au jeu ou alors ça dépend peut-être de l'heure qu'on fait, j'en sais rien. Bref, alors, je vais vous montrer un truc. Donc là, c'est en mode explorer que j'avais lancé. Je vais le lancer parce que je vais vous montrer la connerie. Comment dire, comment on peut dire ça? La connerie des. Comment je pourrais dire ça? De l'agencement des pièces quand c'est procédural et que ça peut vous amener à une connerie. Hein. Bon, je vais dire ça comme ça parce que j'arrive pas à vous détailler le truc. Bon voilà. Moi, quand j'ai commencé cette partie, j'ai commencé ici, avec ces fameuses portes fermées. Hein, d'accord, que j'ai pas la clé, évidemment. Voilà, je suis au level 0. On remarque bien, hein, il n'y a pas de sortie nulle part. Et j'ai une, deux, trois. Donc là, c'est un mur. J'ai trois possibilités. Je vais les prendre toutes les trois, vous allez voir la connerie. Voilà, donc là, il n'y a rien. Hein. Hop, là, c'est fermé. Là, je reviens à cette sortie-là. Voilà, donc c'est les deux qui se rejoignent. Bon, ok, alors je vais aller là. Eh ben non. Non, non, c'est une pièce fermée. La seule façon de me barrer d'ici, c'est la porte qui est fermée à clé. Voilà. Le niveau, c'est ça. Mais je suis bloqué parce que je peux rien faire, j'ai pas la clé. Donc c'est un niveau qui sert à rien. Voilà, c'est con. C'est vraiment le niveau complètement con. Voilà, je l'avais gardé juste pour vous montrer que donc voilà, les niveaux sont générés procéduralement. Mais voilà, quand vous pouvez commencer comme ça. Alors imaginez-vous, vous pouvez commencer avec un monde dans la pièce, mais uniquement une pièce fermée, avec pas de porte. Donc après, bon, multiplayer, les options, ça. Ouais, c'est toutes les sauvegardes qui ont été faites, bref. Et vous avez vos statistiques, voilà, moi c'est le nombre de. Voilà, hein, vous voyez, 30. Ah non, même pas. Je suis oui, non, je suis descendu 36 fois. Donc j'ai mangé 41 fois, j'ai consommé 85 fois de l'eau, shot fear, le nombre de fois que j'ai dû tirer, je pense 12, dommages, etc. Les coffres ouverts, total de mort, donc 6 fois. Alors item, je sais pas quoi, 44, je sais pas ce que c'est, solde obtenu, et le total de bas de coin, 330, etc. Vous avez vos statistiques, etc. Voilà, c'est tout pour ce jeu. Donc, on va dire, c'est un bon jeu backroom. C'est le seul qui vous propose de jouer en ligne. Alors, avec vos amis surtout, puisque je vous dis, c'est très rare de tomber sur d'autres joueurs. Et donc, comme je l'ai dit un peu au début, vous pouvez jouer avec des joueurs Steam. Alors, j'ai pas essayé, hein. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est sur la page Steam du jeu, hein, d'accord, sur PC. Et ils le précisent bien qu'ils ont fait une mise à jour sur Switch pour justement qu'il y ait le multiplateforme entre ces deux supports. Après, je sais pas si ce jeu est sorti sur d'autres consoles ou quoi, j'en sais rien du tout. Bon, voilà. Mais c'est un. Si vous voulez jouer avec d'autres joueurs, bon bah voilà, c'est le seul jeu sur Switch qui le permet. Mais il est sympa. Il est sympa. Franchement, j'aime bien. J'ai joué avec un ami en ligne. Impeccable. C'est vraiment fandard. Hein, vous avez des jumpscares, vous avez tout. Mais franchement, il est vraiment sympa à jouer. Voilà. Bon, il est un peu différent des autres parce qu'il y a plusieurs monstres. Voilà, mais le principe est le même, hein. Le but c'est de trouver une sortie. Alors je ne sais pas s'il y a une sortie de ce jeu, j'en sais rien du tout. Moi j'ai pas encore trouvé. Mais le seul défaut, c'est qu'en multijoueur, ça sauvegarde pas. Voilà, c'est le seul problème. Si vous jouez tout seul, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites en multi, ça sauvegarde pas votre partie. Ou alors vous le laissez en veille. C'est la seule solution, je sais pas. Enfin bref, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu, et à la prochaine fois. Salut!